Sachez que l'agneau est combattu. Voilà, on va prendre ça sous cet angle en fait. Merci Seigneur, je ne voyais pas trop s'il fallait donner un titre, ce serait peut-être par rapport à ça. L'agneau est combattu. Et je ne parle pas seulement dans le monde, même si dans le monde il est combattu, mais ça c'est tellement évident. Mais il est combattu dans l'Église. Et cela peut-être pas, enfin oui, il y a eu péché, il y a eu tout cela, mais depuis Abel, l'agneau est combattu en fait. Vous avez deux formes d'adorateurs. L'adorateur de l'ego et l'adorateur de Dieu. Et si on est l'adorateur de soi-même, il ne peut pas y avoir le sacrifice. Parce que ce qu'on va y apporter, c'est le fruit de ce que l'on est. Parce qu'on veut être Dieu. Vous serez comme des dieux. Quand le serpent a voulu faire tomber Ève. Et bien sûr, Adam, par voie de conséquence. Et donc, on va prendre le livre de Genèse. Alors, je vais peut-être dire des choses choquantes, mais la Bible est choquante, hein, vous m'en excuserez. Hein, parce que la Bible est un massacre. En fait, c'est une histoire de massacre. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et même dans le monde de ténèbres, le sang a son importance. Et même dans le monde des ténèbres, le sacrifice a une importance. Vous savez que pour que les sorciers obtiennent la puissance, ils doivent donner ce qui leur coûte le plus. C'est pour ça qu'ils vont tuer leurs propres enfants. Avant cela, peut-être, vous savez ce qu'ils vont faire avec. Tous les grands de ce monde, ne vous faites pas d'illusions, sont passés par là pour obtenir la puissance. Benito a dit très justement, je crois que c'est Benito tout à l'heure, qu'on n'obtient rien sans sacrifice. Et ce n'est pas seulement en termes d'effort, c'est en termes de ce que ça représente, tout ce que l'on donne. Et ça, c'est normal. Mais il y a sacrifice et sacrifice, bien évidemment. Et si vous voulez être élevé dans la société à un très haut niveau, en tant que chrétien, vous ne pourrez pas. Ça, il faut être clair là-dessus. Vous pouvez réussir, vous pouvez avoir des entreprises, il n'y a pas de problème avec ça. Mais avoir une influence dans le monde vous obligera à faire une alliance et à faire un sacrifice. Vous connaissez tous cette histoire du Testament de Faust, qui est une très belle œuvre d'ailleurs, et qui nous montre que un homme a voulu faire un pacte avec le diable pour obtenir la gloire. Et l'homme qui a fait ce pacte pensait pouvoir tromper le diable en disant « mais je pourrais m'en défaire facilement ». On connaît la suite. Et dans toute l'histoire de l'humanité, on voit que c'est celui qui sacrifie le plus qui gagne. C'est très important de comprendre ça. Et que dans le domaine spirituel, avec Dieu, tout ce qui viendra de vous-même ne vous fera jamais gagner, ne vous fera jamais rentrer dans la victoire. Jamais. Mais par contre, pour le diable, c'est l'inverse. Il veut tout de vous. Et pendant un temps, il peut même vous récompenser du sacrifice que vous faites. Mais il y a aussi un prix à payer. Mais qui n'est pas là, qui est plus tard. C'est l'enfer. Et dans le monde, si vous voulez gérer le monde, si vous voulez régner dans ce monde, en termes politiques, en termes sociaux, économiques, vous êtes obligé de faire un pacte avec le diable. Et le diable lui-même ne va pas vous demander un effort, il va vous demander un sacrifice qui va vous lier à lui. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, le sang est très important, d'un côté comme de l'autre. Et c'est pour ça que, effectivement, notre Seigneur a été immolé avant même la fondation du monde. La victoire ne pouvait s'obtenir qu'au travers du sang. C'est pour ça que c'est une histoire de massacre. Quand Jésus
a grandi et qu'il a assisté à la Pâque, on sacrifiait à ce moment-là à Jérusalem 250 000 agneaux. Chaque agneau a à peu près 4 litres de sang. Ça veut dire qu'à chaque Pâque, 1 million de litres de sang étaient versés. Ce sont des réalités. Dieu réclame le sang. Mais quel sang? Est-ce que 1 million de sang, une quantité aussi importante, peut produire le salut? Je nous pose cette question, d'après vous. Non. Donc ce n'est pas une question de quantité. Eh bien, là, vous voyez, vous avez tout l'enjeu de l'humanité. Et ça commence dans le livre de Genèse. Et on va lire le livre de Genèse à partir du chapitre 4. Verset 1. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. De ces deux personnes-là vont sortir non pas deux peuples, mais deux civilisations. Caïn est un type du monde. Abel est un type du croyant spirituel. 1 Pierre 2,11 nous dit que je vous exhorte en tant qu'étranger et voyageur sur cette terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Abel était un voyageur. Caïn était un industriel. De son sein allait sortir la musique, l'art, donc toute forme d'art, l'industrie, les villes, toutes ces choses-là. Toutes ces choses qui ont une forme d'utilité. Abel est le type du gars qui ne sert à rien. Et je vais vous en donner la preuve avec les versets qui suivent. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse, offrit. Excusez-moi, j'ai joué, il y a des fautes dans cette Bible. Enfin bon. L'Éternel porta un regard, qu'est-ce qui est dit dans la version que vous avez, au verset 4. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés. D'accord, ok. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. C'est pour ça que les gens dans les villes, ils sont sombres. Je ne plaisante pas, hein. C'est vrai en plus. Vous savez pourquoi les gens sont stressés? Parce que tout ce qu'ils peuvent faire ne peut pas plaire à Dieu. Bien sûr, ils ne le savent pas, c'est inconscient. Mais le stress est lié à quoi? D'où vient le stress? C'est quoi l'origine du stress? Vous avez une idée de ça? Pourquoi on dit qu'il est stressé? Pourquoi c'est au travail principalement qu'on est stressé? Bon, j'espère que vous n'êtes pas stressé dans la famille, ça serait grave. C'est le contraire du repos, vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi le stress? Parce que quoi que tu fasses, c'est jamais suffisant. C'est ça qui provoque le stress. C'est pour ça que quand tu travailles, on te demande toujours plus. C'est pour ça que quand tu atteins un objectif, ton patron, il dit « oui, mais il reste ça ». Mais non, mais c'est spirituel, sachez-le. C'est-à-dire que toi, évidemment, étant dans le repos, tu n'es pas dans ce principe-là. Tu dois faire les choses, il n'y a pas de souci, tu dois travailler. Mais le stress n'est pas dans le royaume de Dieu. Tu dois faire le maximum devant Dieu, mais toujours dans le repos. La civilisation de Caïn est une civilisation de stress parce qu'elle est basée sur la performance, sur la compétition et sur la rivalité. C'est ce qui va engendrer la haine,
les guerres, l'égoïsme, égo, l'égocentrisme, etc., etc. Maintenant, on va regarder Abel dans tout ça. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi abhorres-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si, en revanche, tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. Le mot péché, là, est-ce que vous savez ce que ça signifie en hébreu? Quelqu'un a une idée? Ouais, ce qui veut dire. Ouais, et puis ça a une autre signification. En fait, c'est aussi le mot qu'on utilise pour la victime expiatoire. Donc, péché et victime expiatoire, c'est ma vie. Ça veut dire que même dans cet état, Dieu lui propose une solution. C'est facile de dénoncer le péché, mais qu'est-ce que tu apportes? Il apporte la victime expiatoire. C'est-à-dire que quand Dieu nomme quelque chose qui n'est pas bien, il donne toujours la solution. Caïn, tu pèches, mais il y a la victime expiatoire. Vous comprenez? Maintenant, quelle est l'utilité d'Abel? Il est berger, c'est écrit. Ok. Qu'est-ce qu'il gardait? Des moutons. Pourquoi faire? Est-ce que vous avez une idée? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'il a dit? Ok. Oui, mais le problème, c'est qu'ils n'étaient pas carnivores à l'époque. Ils étaient végétariens. À quoi ça sert de garder des moutons alors qu'on n'en a pas besoin? Au sacrifice. C'est déterminant. C'est un des aspects de l'agneau. L'agneau est destiné à la boucherie. Et Abel, qui était berger, était destiné simplement à offrir un sacrifice. Et notre maître était les deux à la fois. En Christ, nous avons ces deux aspects-là. C'est-à-dire que nous sommes à la fois l'agneau, mais nous sommes en même temps des bergers. C'est-à-dire que nous ne sommes pas utiles, mes amis. C'est-à-dire que quand tu justifies ton ministère par tes œuvres, tu es un Caïn. Présente l'agneau. Quel était le ministère de Jean le Baptiste? Voici l'agneau de Dieu. Il n'a servi qu'à ça. Quelle est ton utilité? Ton ministère, ton œuvre, ton assemblée, ton charisme, ton je ne sais pas quoi? Présente l'agneau. Laisse Caïn présenter ses fruits et ses légumes. Parce que vous remarquerez que lui, il n'a pas présenté de la viande, parce qu'il n'était pas carnivore. Ah, c'est piégeux, hein? Parce que Caïn, il a présenté des choses qui pourrait correspondre à un sacrifice. Moi, je présente quelque chose qui pourrait me nourrir. Je présente quelque chose qui pourrait me nourrir. Mais tu vois, je ne m'en sers pas pour me nourrir. Je te le donne. Tu vois le sacrifice que je fais. Alors que lui, il garde des moutons qui ne servent à rien parce qu'on n'en mange pas. Lui, il te présente quelque chose qui ne t'est pas utile parce qu'on n'a pas besoin de viande. Mais moi, je te donne ce qui coûte. Je pourrais l'utiliser pour moi, cette nourriture, les concombres, etc. Je m'en nourris. Mais ça sert à quoi? C'est difficile de discerner ça. Et pourtant, Paul dira dans 1 Corinthiens 13, je peux même donner ma vie si je n'ai pas l'amour. Je ne suis qu'un airain qui résonne. C'est pour ça qu'il faut discerner avec quel esprit nous offrons un sacrifice. Nous ne présentons rien
de ce qui émane de notre fruit, enfin de notre travail ou de ce qui émane de nous-mêmes. Non, on présente l'agneau. On présente l'agneau. Et là, comme on a dit, Dieu, dans sa bonté, voulait que Caïn change. Il dénonce le péché qui était à sa porte, mais il lui présente la victime expiatoire. Parce que le seul moyen pour qu'un Caïn change, c'est encore une fois l'agneau. Et que du début jusqu'à la fin, dans la parole de Dieu, l'agneau devait être révélé au monde. Parce que même si Caïn a offert un sacrifice qui vient de son propre labeur, ça reste un sacrifice. Ça veut dire que de ces deux hommes vont sortir du sein de ces deux hommes deux civilisations, avec chacun un type de sacrifice. Vous avez celui qui va offrir quelque chose qui, aux yeux du monde, n'a aucun intérêt. Et vous avez l'autre qui va offrir quelque chose qui est le fruit de son investissement. Et dans la religion, vous avez le même principe. Le peuple juif en esclavage devait produire des briques. Et Pharaon va leur imposer de fabriquer des briques sans la paille. Ou avec la paille, mais qui devront produire par eux-mêmes. Ça, c'est le symbole de la religion. Et les briques étaient fabriquées à partir de la terre. Et les briques étaient fabriquées de main d'homme. Or, nous sommes des pierres vivantes qui ont pour repère Christ, la pierre angulaire. Cette pierre-là, selon Exode 20-25, cet autel ne devait pas être taillé par la main de l'homme. Parce que personne ne peut venir avec son propre travail devant Dieu. La religion nous justifie, alors que c'est le sang qui nous justifie. Ah, mais moi je fais telle ou telle chose, car Dieu a préparé des œuvres bonnes d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Elles existent, ces œuvres. C'est au travers de notre foi qu'elles vont se manifester. Mais nous ne les faisons pas. La sanctification n'est pas un travail. C'est pour ça que la plupart n'arrivent pas à se sanctifier. Vous avez pour fruit la sanctification, nous dit l'Épître aux Romains, et pour fin la vie éternelle. La sanctification est quelque chose qui émane de Abel. Parce que c'est lié à l'agneau de Dieu. C'est un fruit qui nous vient directement de l'Esprit. C'est dans ma nouvelle nature que se produit la sanctification. C'est pour ça que ce n'est pas une œuvre. C'est la foi. La foi. Et la foi est toujours liée à l'obéissance. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Abel était obéissant. Il n'a pas dit, mais ça sert à quoi que j'offre quelque chose qui ne sert à rien ? Non, ça sert, et tu le sais, parce que ça préfigure Christ. Et Caïn fut irrité, pourquoi ? Parce qu'il a réalisé que tout ce qui émanait de lui ne valait rien. Alors que Abel savait que tout ce qui produisait de quelque chose dont il n'était pas l'auteur donnait la vie. C'est ça la foi chrétienne. C'est pour ça que vous ne serez jamais aimé des pasteurs. Parce que là, je ne parle plus du monde. Parce que c'est une évidence qu'on ne sera pas aimé du monde. On n'en est plus là entre nous. Mais ne cherchez pas à être accepté de vos, entre guillemets, frères et sœurs en Christ. Parce qu'il y a aussi des Caïn parmi eux. Et on n'a même pas besoin de démontrer quoi que ce soit. Paul vivait Christ. Paul n'a pas fait de réunion avec pour thème principal la guérison. Ce n'est pas biblique.
La guérison, c'est quelque chose qui venait de sa propre vie. C'était dans sa marche avec Dieu qu'il se passait des choses et il n'était absolument pas focalisé dessus. Et pourtant, quelle puissance avaient ces apôtres. Et aujourd'hui, on tourne autour de quoi? On fait des réunions comme Caïn. Les miracles sont les fruits, les légumes de Caïn. C'est pas agréé de Dieu. Matthieu 7. Mais nous avons chassé des démons en ton nom. Je ne te connais pas. Le mot ici, si on l'interprète dans son étymologique, c'est relation intime entre un homme et une femme. C'est fort, hein? Ça veut dire qu'il n'y a pas de relation en fait. Je ne te connais pas, toi qui commets l'iniquité. Donc on ne peut rien présenter, si ce n'est l'agneau de Dieu. Et donc vous avez ces deux civilisations qui encore aujourd'hui se combattent. Et vous voyez ça dans le monde, parmi les gens qui ne sont pas chrétiens, je veux dire. À chaque guerre, par exemple, la plupart des gens qui s'en sont sortis ou qui ont pu éviter la famine, ce sont des gens qui étaient, par exemple, dans les campagnes. Dans les villes, c'était très difficile. Et moi, je crois sincèrement que nous avons besoin de considérer plus la campagne en tant qu'enfants de Dieu. Parce que ce sont des endroits où nous avons plus facilité de vivre une forme de paix. Bon, je ne vais pas en faire une doctrine, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais à l'origine, Dieu est un Dieu de campagne. Il n'était pas dans les villes. Il n'était pas. Abraham a dit, vas-y Lot. C'est bon, hein? C'est tentant, il y a des belles choses. L'herbe est verte, des belles villes. Mais regardez Lot, sauvé comme au travers du feu. Abraham, il n'a pas choisi les vallées les plus vertes. Mais il était de la lignée d'Abel. Et il a vu des choses que Lot ne verra jamais. Dans Genèse 15, on va le prendre. On va prendre un petit peu avant. Voilà, excusez-moi, on va aller un petit peu avant. Chapitre 13. Il s'appelait encore Abram à l'époque. Verset 1. Abram remonta d'Égypte vers le Négev avec sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot était avec lui. Abram était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il se rendit par étapes du Négev jusqu'à Bethel, jusqu'à l'endroit où était sa tente au début, entre Bethel et Haï. Là où se trouvait l'autel qu'il avait fait la première fois. Là, Abram fit appel au nom de l'Éternel. Lot qui voyageait avec Abram, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Donc ils étaient de même condition, ils étaient nomades, tous les deux. Donc potentiellement, Lot pouvait rester de la civilisation d'Abel. Mais l'ennemi n'a pas voulu faire cela. Il a voulu justement extirper Lot de cela. Vous allez me dire, oui, mais Dieu a appelé Abram, pas Lot. Je ne suis pas d'accord avec ces choses-là, bien sûr. Mais l'Éternel a sauvé Lot de Sodome. Donc il voulait aussi que Lot vive autre chose que ce qu'il a vécu jusqu'alors. Parce que Dieu veut que tout soit sauvé. Dieu nous aime. Il a aimé Caïn, au point où il a dit, voilà, domine sur ton péché. Donc on voit bien que notre Dieu veut que tout soit sauvé et parvienne à la repentance. Nous avons un Dieu qui veut que le maximum de personnes aillent au ciel dans sa présence. Dieu est bon, il veut nous sauver. Mais quand il pêche, eh bien le Seigneur dit, tu pêches. Parce que pour être sauvé, il faut déjà nommer ce qui nous, malheureusement, si on reste dans cet état, nous amène en enfer. C'est logique. Lot qui voyageait avec Abram aussi avait des brebis, des bœufs et des tentes. La région ne suffisait pas pour qu'ils habitent ensemble. Il pouvait y avoir une séparation. Mais il pouvait rester dans la nature, dans la campagne et même dans les déserts. Mais non. En effet, leurs biens étaient si nombreux qu'ils ne pouvaient plus rester ensemble. Il y eut une dispute entre les bergers des troupeaux d'Abram et les bergers des troupeaux de Lot. Ah, les disputes entre les bergers.
Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Les païens regardaient ce spectacle lamentable de deux hommes sortis de Babylone, appelés véritablement par Dieu, et de voir leur berger s'étriper devant des païens. Voilà la situation du monde d'aujourd'hui. Des pasteurs sur Internet qui s'étripent devant des païens. Voilà. Voilà où nous en sommes. Voilà le témoignage que nous portons. On continue. Abram dit à Lot, qu'il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi. Ceux qui sont issus d'Abel ne cherchent pas les disputes. Ils cherchent la paix. Et l'esprit de l'agneau qu'avait Abram était extraordinaire, parce que malgré la séparation, il viendra délivrer Lot du pétrin dans lequel il s'était fourré. Pourquoi ? Parce qu'il avait le caractère de l'agneau. Parce que dans le caractère de l'agneau, il y a le caractère du salut. Nous devons avoir cette notion de salut, de sauver. Vous savez, il y avait un homme qui n'a rien de chrétien, qui s'appelait le général de Gaulle. J'ai beaucoup aimé cet homme politique. La première chose qu'il a fait après avoir vaincu l'Allemagne, enfin c'est pas lui, mais bon, comprenez mon langage. Il a tendu la main vers l'Allemagne. Est-ce que vous savez que le premier président allemand après, c'est un chrétien ? Eh oui. Tous les deux ne s'entendaient absolument pas. Je pourrais vous raconter en aparté les histoires qu'ils ont eues entre eux. Mais l'un et l'autre ont fait des efforts en commun pour dire nous devons tous les deux faire la paix. Et le général de Gaulle disait, on n'humilie jamais un adversaire qu'on a vaincu, on lui tend la main. Et regardez comment nous, on se comporte. Qu'il n'y ait pas de dispute entre toi et moi. Va là où tu veux aller. Moi, j'irai là où Dieu me demande d'aller. Et si toi, tu es dans le besoin, j'irai. Si tu as une galère, je viendrai te tendre la main. Parce que même en supposant que tu ne sois pas de Dieu, faites attention, il y a des lots qu'on veut détruire, mais Lot était de Dieu. Pierre dira de lui dans son épître que c'était injuste. Attention. Il y a des gens qu'on dit, parce qu'ils font des erreurs, qui ne sont pas de Dieu, alors que peut-être ils sont simplement charnels. Ce n'est pas à nous d'en juger, mais restons des sauveurs. Bien sûr, c'est Jésus qui sauve. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que nous devons avoir le caractère du sauveur. Toujours tendre la main lorsque quelqu'un crie au secours, même si c'est notre ennemi, même s'il nous a maudits, même s'il nous a trahis, s'il y a une possibilité de tendre la main et dire ok, tant que ça ne nous amène pas au péché évidemment, eh bien ouais, je viendrai, je vais t'aider. Et Lot, si vous lisez bien les Écritures, n'a pas appelé au secours hein, quand il était à Sodome. Vous savez quoi ? L'Éternel est venu à Abraham pour annoncer un jugement. Non mais je ne sais pas si vous voyez, ça c'est le caractère de l'agneau. Il est venu annoncer le jugement sur Sodome. Vous allez me dire pas Lot sur Sodome. Oui mais Lot était dans Sodome. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham ? Il a intercédé. Et pas qu'une fois. Et pas deux fois. Et Dieu a agréé sa prière. Parce qu'il était de la race d'Abel. Comment nous prions pour ceux qui nous font du mal? C'est important. Qu'il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens, parce que ça ne concerne pas seulement deux hommes. Parce qu'il y a des bergers derrière. Il y a des âmes. Et si ces deux hommes-là sont en paix, eux, ils seront en paix. C'est qu'ils avaient compris que ce n'était pas une affaire d'ego seulement, mais de salut d'âmes, d'autres âmes, dont ils avaient la responsabilité, qu'il n'y ait pas de dispute, afin que nos bergers ne s'étripent pas non plus et que ça ne finisse pas encore par une énième guerre. Rappelle-toi de Caïn et Abel, rappelle-toi des souffrances, rappelle-toi du meurtre de Caïn. Ne reproduisons pas les mêmes choses. Nous devons être des briseurs de Caïn. Des briseurs de Caïn. Et si Caïn nous tue, c'est pas grave.
on ira au ciel plus vite. Mais ne soyons pas des Caïn. Qu'il n'y ait pas de dispute entre toi et moi. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Tout le pays! Regarde, si tu veux, je te laisse une partie. Non, tout le pays! Il n'a pas négocié. Tout le pays, prends ce que tu veux. Sépare-toi de moi. Sépare-toi de moi. La séparation. Séparons-nous. Nous n'avons pas la même vision. Mais ce n'est pas parce qu'on se sépare qu'on doit se haïr. Mais séparons-nous. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel n'ait détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel. Vous imaginez? Comme, hein? Ce n'était pas le jardin de l'Éternel, mais comme. Comme l'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et se mit en route vers l'Est. Seigneur, ce monsieur est rempli des foules, des salles, pardon. Ce monsieur a de l'argent comme c'est pas permis. Cette femme qui me persécute au travail, regarde tout ce qu'elle a. Est-ce que pour autant elle est de Dieu? Est-ce que pour autant Dieu agrée ces choses-là? Sois heureux pour elle, sois heureux pour lui. C'est pas grave. Parce qu'un jour tu verras ce que Lot ne verra jamais. Quel est ton regard? Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce que tu convoites? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu désires? Un agneau n'a pas de convoitise. Un agneau est dépendant. Un agneau ne trouve son existence qu'au travers de son berger qui le nourrit. Il ne peut pas subvenir à ses besoins. Il ne peut pas vivre de lui-même. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas dans sa nature. Il a besoin de son berger. Le maître lui-même s'est dépouillé et il a appris l'obéissance au travers des choses qu'il a souffertes. Il a été dépendant à 100% du Père. C'est fort. Il s'est dépouillé de tout ce qui concernait sa divinité pour vivre comme un simple homme, pour nous montrer l'exemple de la dépendance. Il était le dernier Adam. Et nous sommes et nous devons être de sa lignée. On continue. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et se mit en route vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abram s'installa dans le pays de Canaan, tandis que Lot s'installait dans les villes de la plaine et dressait ses tentes jusqu'à Sodome. Les habitants de Sodome étaient mauvais et péchaient beaucoup contre l'Éternel. Regardez les villes. J'ai connu une sœur qui était missionnaire en Iran. Elle me disait, Ludo, j'ai jamais été aussi en paix qu'en Iran. Pas de publicité, pas d'affiches porno, pas de cinéma porno, pas de vulgarité, pas de femmes en mini-jupe. Elle dit, certes, c'était très lourd parce que, voilà, vous connaissez ce pays, mais elle dit, je n'ai jamais été autant agressé qu'en Occident, par tout ce qu'on peut voir. Elle dit, je n'étais plus préparé à ça. 7 ans là-bas m'avaient désintoxiqué de toutes ces choses. Lot a choisi, en apparence, le visuel. Mais quand il est rentré dans cette ville, il n'y avait que la pourriture et la mort. Tu n'as peut-être pas une grande salle. Tu n'as peut-être pas 50 personnes. Mais tu sais que Dieu t'agrée. Et ça te suffit. Les autres te disent, mais où sont tes fruits? Mais toi, t'as présenté l'agneau depuis bien longtemps. Les autres sont stressés. Ils t'observent, ils te mettent un avis négatif à chaque vidéo que tu mets.
Mais toi, tu es heureux et Dieu te bénit. Et plus tu es dans la paix, plus ils sont irrités parce qu'ils sont ceux de la race de Caïn. Nous sommes dans le repos et c'est ce qui nous permet d'aimer même les Caïn. Parce que quand tu n'es pas dans le repos, tu ne peux pas aimer un Caïn. J'ai une joie, mes amis, depuis, on va dire un peu plus d'un an, mais quelque chose qui est profond, une paix qui est de plus en plus forte, solide. J'étais quelqu'un de nature stressée, angoissée. Je peux vous assurer que c'est une paix, je sais qu'elle n'est pas naturelle. Il m'arrive de prier pour lui et de pleurer pour lui. Je n'étais pas capable de ça avant. Et le Seigneur me fait comprendre, Ludo, je veux t'amener là où tu n'as jamais été. Parce que tu dois passer par là où je suis passé. Oh, bien sûr, je ne veux pas mourir à la croix comme lui, ce n'est pas possible. Mais nous devons tous avoir ce chemin-là. De sacrifice. Parce qu'il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Et il n'y a pas de sacrifice sans amour. Et vous savez, aimer n'engendre pas forcément des résultats. Mais nous devons aimer. Parce que c'est le seul moyen de voir ce que l'œil ne peut pas voir. Abraham a vu des choses que personne ici présent ne peut voir. Parce que son regard n'était pas porté sur les plaines de Sodome. Il a vu Jésus. Oh, il ne va pas l'appeler Jésus, parce qu'il ne pouvait pas saisir le sens prophétique de ce qu'il a vu. Mais il a vu. Je ne veux pas voir mon ministère, je ne veux pas voir ma justification, je ne veux pas voir les gens me demander pardon à genoux, je veux voir Jésus. Nous devons voir Jésus. Pendant plus de 10 ans, j'ai cru qu'à force de le prier, j'allais le voir. Et un jour, une voix s'est fait entendre qui me disait « Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu ». J'ai compris que le Seigneur ne se montrera jamais d'une manière visible tant que je serai sur cette terre. En ce qui me concerne, j'entends, parce que d'autres l'ont certainement vu. Je ne remets pas en question ça. En ce qui me concerne, j'ai arrêté de prier. Parce que finalement, je le vois de plus en plus. Je le vois dans vos cœurs. Je le vois dans la manière de nous aimer les uns les autres. Et c'est pour ça qu'il dit que là, 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais pour ça, il faut apprendre à voir Christ dans l'autre. Mais si tu as l'esprit de Caïn, tu ne pourras pas voir Christ dans l'autre. Il faut être mort. Si tu ne meurs pas, tu tues. Le Saint-Esprit, hein, c'est terrible. Hein. On connaît la suite. Lot se met dans une situation difficile. On sait que Abraham va être le libérateur. Et regardez, c'est un des passages qui... Il y a plein de passages mystérieux dans l'île de Genèse, surtout avec Abraham. Mais ça, c'est un passage très particulier. Dans le chapitre 14, au verset 17, il est écrit ceci, « Lorsqu'Abraham revint de sa victoire sur Kedor Laomer, donc il a libéré Lot, parce qu'il y a eu des rois qui ont combattu le roi de Sodome et de Gomorre, Lot et sa famille ont été pris en captivité, et donc Abraham va libérer Lot. » Et regardez ce qui se passe. Bien sûr, en libérant Lot, il va libérer le roi de Sodome et de Gomorre, c'est sûr. Mais regardez, pardon. Lorsqu'Abraham revint de sa victoire sur Kedor Laomer et sur les rois qui étaient ses alliés, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Il y a une convocation de roi ici, là.
Dans cette vallée, il y a une convocation de roi. Il y a une convocation entre deux sacrificateurs, Caïn et Abel. Et là, il y a avoir une rencontre de deux rois dans la vallée des rois. Et regardez les rois dont il est fait question, dont il est fait mention, pardon. Melchizedek, verset 18, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant, « Qu'Abraham soit béni par le Dieu Très-Haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Voyez, toujours le même combat. Abraham répondit au roi de Sodome, « Je le jure, la main levée vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, le maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui t'appartient, pas même un fil ni un cordon de sandales, afin que tu ne puisses pas dire, c'est moi qui ai enrichi Abraham. Il n'y aura rien pour moi, sauf ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui m'ont accompagné, Aner, Eshkol et Mamré, eux, ils prendront leur part. » Vous avez une scène, je ne sais pas si vous faites attention à cette scène, mais elle est quand même étrange. Vous avez Abraham qui vient libérer Lot. Vous avez le roi de Sodome, qui est un type de Satan ici. Et vous avez Melchizedek, le roi de Salem, qui vient. Lot y voit le roi de Sodome, Abraham qui l'a libéré, et il voit Melchizedek. Ils sont tous les quatre ici réunis. Et regardez ce qui se passe. Sodome s'adresse, le roi de Sodome s'adresse à Abraham. Donne-moi les âmes. Je te donnerai de l'argent. Et il regarde Abraham Melchizedek. Et celui-ci lui dit, le pain et le vin, la croix. Vous avez toute l'histoire de l'humanité ici. Beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés dans le piège du roi de Sodome. Ils ont donné les âmes par de fausses doctrines pour en récolter de l'argent, au lieu d'avoir le regard fixé sur Melchizedek. Voilà notre défi. Caïn ou Abel? Melchizedek ou le roi de Sodome? Et pour les chrétiens, Abraham ou Lot? Parce que Lot est retourné à Sodome. La chair ou l'esprit? Voilà notre combat. Et regardez, c'est seulement après ce test que l'alliance de Dieu faite à Abraham s'est renouvelée. Genèse chapitre 15. Après ces événements, c'est bien précisé, hein? Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera quoi? Très grande, pas grande, très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de mes biens, c'est Éliézer de Damas. Abraham dit, tu ne m'as pas donné de descendance et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui adressa la parole, ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Ça, c'était pas dit avant, hein? C'était pas précisé tout ça. C'est après Melchizedek, le test de la vue. Que veux-tu voir? Les plaines de Sodome ou Melchizedek? Melchizedek te donnera un héritage éternel, une cité céleste, une Jérusalem qui n'est sans commune mesure avec celle des sionistes. Je te parle de celle qui est préparée comme une épouse.
et qui viendra sous forme d'un nouveau ciel ou d'une nouvelle terre. Que veux-tu voir ? Des bénédictions liées à ton ministère ou cette Jérusalem céleste ? Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi, de ta stérilité, de ton incapacité à produire la vie. Moi, je vais donner, je vais faire de toi un géniteur. Et Jésus naîtra par le Saint-Esprit qui fécondera l'ovule au travers de Marie et il naîtra ainsi. Regarde au ciel, car tout ce qui sera issu de toi ne viendra pas de ta chair, mais de l'Esprit. Et regardez la suite, elle est magnifique. Vous savez, Lot regardait le sol, Abraham a toujours regardé le ciel. Toujours. Regarde vers le ciel, verset 5. Et compte les étoiles si tu peux les compter. Il lui affirma, telle sera ta descendance. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui compta comme justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays en possession. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi reconnaîtrais-je que je le posséderai ? L'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu. En fait, chez les Sémites, quand quelqu'un s'engageait, on coupait les animaux en deux et on passait au milieu. Et en faisant ainsi, c'est celui qui faisait ça qui s'engageait personnellement. Et là, on va voir que c'est Dieu qui s'engage personnellement en agissant ainsi. Abraham prit tous ses animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et l'on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Quant à toi, tu iras dans la paix, rejoindre tes ancêtres. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ce n'est qu'à la 4e génération qu'ils reviendront ici, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde et un four fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Dieu s'est engagé à cette promesse personnellement. Mais c'est quand même étrange, toutes ces choses-là se sont passées. Pourtant, à l'époque d'Abraham, le peuple juif n'avait pas encore pris naissance. Comment est-ce possible ? Est-ce que Abraham pouvait se vanter d'avoir fait quelque chose de spécial pour mériter ça ? Non, il a cru en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Paul utilisera dans l'Épître aux Romains chapitre 4 et chapitre 5 le fait même que nous-mêmes qui sommes enfants de Dieu, nous avons reçu ce niveau d'alliance inconditionnelle qui n'est pas lié à nos œuvres, mais lié à l'engagement personnel de Dieu qui là n'a pu partager les animaux, mais s'est déchiré à la croix et a versé son sang comme signe de l'alliance. Ce qui fait que tu n'as pas besoin de présenter quelque chose pour te justifier. Tu n'as pas à expliquer, à développer et à prouver quoi que ce soit, car tout a été accompli à la croix. Donc un enfant de Dieu ne prouve rien, il vit et il loue Dieu. Parce qu'il sait que tout ce que Dieu a déclaré de lui va s'accomplir. Pas parce que tu le mérites. Pas parce que tu vas faire quelque chose, mais parce que Dieu l'a déclaré. Dieu t'a-t-il parlé ? As-tu saisi l'alliance qui aujourd'hui n'est pas une alliance humaine ?
Réalises-tu que tu es toi-même la matérialisation physique de ces étoiles que Abraham a vues? Et Abraham t'a vu au ciel, là, comme une étoile qui brille, tu n'étais même pas encore dans le ventre de ta mère. Il l'a vu de 3 à 4 000 ans avant. Comment est-ce possible? Et nous avons peur d'un petit démon. Pourquoi se fatiguer à essayer de se justifier alors que tu es la matérialisation de ces étoiles que Abraham a vues? Il crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Tu es le fruit de la foi d'Abraham. C'est pour ça qu'il est notre père dans la foi. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Plus tard, il va demander quelque chose d'encore plus fort. On ne va pas lire, on n'aura pas le temps. Il va dire, prends ton fils, celui de la promesse, pas l'autre. Les Juifs diront que c'est l'histoire du non-sacrifice. Et amène-le sur l'autel. Et vous connaissez l'histoire, au moment où il va pour l'égorger, il va y avoir quoi dans les broussailles? Un quoi? Bien. Un bélier, pas un agneau. Ce n'était pas la révélation du Fils. C'était le Père. Nous avons reçu la révélation du Fils. L'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. Ce n'était pas le temps pour que le Fils meure à la croix. Ce n'était pas le temps. Mais pourtant, Abraham a vu des choses incroyables. Et c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dira. On va prendre le livre aux Hébreux. On va prendre à partir du verset, chapitre 6, pardon, verset 13. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas prêter serment par plus grand que lui, il a juré par lui-même en disant, « Certainement, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. » C'est ainsi qu'après une attente patiente, je ne sais pas ce que disent d'autres versions, si quelqu'un peut me dire, verset 15, ayant persévéré. Abraham a obtenu ce qui lui avait été promis. C'est dur l'attente hein, chez un enfant de Dieu. Nous allons passer toutes les années que Dieu nous donne à vivre à attendre. Une promesse qui est celle de Dieu. Les agités, ce sont pour les lots. Nous savons ce que nous avons vu et en qui nous avons cru. Verset 16. Or les hommes jurent par plus grand qu'eux et le serment est une garantie qui met fin à toute contestation. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer plus clairement encore aux héritiers de la promesse le caractère irrévocable de sa décision, est intervenu par un serment. Ainsi, par deux actes irrévocables, dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous sommes puissamment encouragés, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Alléluia! Cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile, là où Jésus, établi grand prêtre pour toujours à la manière de Melchizedek, est entré pour nous en précurseur. Voilà aujourd'hui le sens de tout ce que Abraham a vu. Mais là, c'est pour nous.
Ce Melchisédek était roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. Il est allé à la rencontre d'Abraham alors que celui-ci revenait de la défaite infligée au roi. Il l'a béni et Abraham lui a donné la dîme de tout. D'après la signification de son nom, Melchisédek est d'abord roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. On ne lui connaît ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie, mais rendu semblable au Fils de Dieu, il reste prêtre pour toujours. Remarquez quelle est la grandeur de ce personnage, puisque le patriarche Abraham lui a donné même le dixième de son butin. D'après la loi, ceux des descendants de Lévi qui remplissent la fonction de prêtre ont l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui sont pourtant issus d'Abraham. Mais Melchisédek, bien que ne figurant pas dans leur généalogie, a prélevé la dîme sur Abraham, et il a béni celui qui avait les promesses. Or, indiscutablement, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. De plus, dans le cas des descendants de Lévi, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, tandis dans le cas de Melchisédek, c'est quelqu'un dont on atteste qu'il est vivant. En outre, Lévi qui perçoit la dîme l'a pour ainsi dire payé par l'intermédiaire d'Abraham. Il était en effet encore dans les reins de son ancêtre lorsque Melchisédek est allé à la rencontre d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible à travers le ministère des prêtres lévitiques, car c'est bien sur lui que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire que surgisse un autre prêtre établi à la manière de Melchisédek et qui soit présenté comme n'étant pas établi à la manière d'Aaron? Puisque le ministère de prêtre a changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi. En effet, celui qui vise les passages cités appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. De fait, il est parfaitement clair que notre Seigneur est issu de Juda, tribu dont Moïse n'a absolument pas parlé concernant la fonction de prêtre. C'est plus évident encore quand cet autre prêtre qui surgit est semblable à Melchisédek, établi non d'après un principe de filiation prescrit par la loi, mais d'après la puissance d'une vie impérissable. De fait, ce témoignage lui est rendu « Tu es prêtre pour toujours » à la manière de Melchisédek. Il y a ainsi abolition de la règle précédente à cause de son impuissance et de son inutilité, puisque la loi n'a rien amené à la perfection. Mais par ailleurs, il y a l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Cela ne s'est pas fait sans prestation de serment, en effet. Si les Lévites sont devenus prêtres sans qu'un serment soit prêté, Jésus l'est devenu à travers le serment prêté par Dieu qui lui a dit « Le Seigneur l'a juré et il ne se rétractera pas, tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. » C'est pour cela que Jésus est le garant d'une bien meilleure alliance. De plus, il y a eu des prêtres lévitiques en assez grand nombre parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède la fonction de prêtre qui ne se transmet pas. Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait, saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il a accompli ce service une fois pour toutes en s'offrant lui-même en sacrifice. En effet, la loi établit comme grand prêtre des hommes sujets à la faiblesse, tandis que la parole du serment prononcé après l'instauration de la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons bien un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel et accomplit son service dans le sanctuaire, dans le véritable tabernacle, celui qui a été dressé par le Seigneur et non par un être humain. Tout grand prêtre est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que Jésus lui aussi ait quelque chose à présenter. Certes, s'il était sur la terre, il ne serait même pas prêtre, car là se trouvent les prêtres qui présentent les offrandes conformément à la loi. Or, il célèbre un culte qui n'est que la copie et l'ombre des réalités célestes. Moïse, en effet, avait été averti alors qu'il fallait construire le tabernacle. « Regarde, lui dit en effet le Seigneur, et fais d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Mais en réalité,
Jésus possède un service bien supérieur. Et ce d'autant plus qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance, fondée sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. De fait, c'est bien comme un reproche que le Seigneur dit à son peuple, « Voici que les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté du Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Comme ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, moi non plus je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen ni son frère en disant « Tu dois connaître le Seigneur » car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. En effet, je pardonnerai leurs injustices et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. » En parlant d'une alliance nouvelle, le Seigneur a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Ah, mes amis. Vous savez, les yeux spirituels sont d'une importance capitale. Je pense que le Seigneur, des fois, il parle par des choses qui peuvent un peu nous choquer, mais les aveugles, ils regardent souvent, enfin, ils regardent rien, mais ils ont la tête levée vers le ciel. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ils ont une canne comme ça. Et je crois qu'on devrait un peu marcher comme ça. Quand vous marchez naturellement, vous ne regardez pas vos pieds. Sinon, vous allez tomber. Alors que bizarrement, la logique voudrait qu'on regarde nos pieds pour éviter les obstacles. Et pourtant, c'est là où on a plus le risque de perdre l'équilibre. Parce que je crois aussi que des choses tout simplement, toutes naturelles du monde nous enseignent. Je crois qu'on doit apprendre à avoir le regard d'Abraham. Et je pense que voir de loin l'autel qui nous attend, c'est ce qui nous permettra de voir la Jérusalem céleste. Parce que dans cette même épître aux Hébreux, l'auteur dira que Abraham a vu cela. Il a vu cette Jérusalem céleste. Vous vous rendez compte de cela? Et je crois qu'on a besoin de comprendre que ce qui va faire la grandeur, dans le sens spirituel du terme, d'un homme ou d'une femme de Dieu, c'est de ne pas regarder ni aux apparences, ni aux fruits, ni à la bénédiction. Ce qui fait la grandeur d'un enfant de Dieu, c'est sa dépendance totale de Dieu et sa vision céleste des choses. Abraham a dû regarder cet autel comme quelque chose d'angoissant. Et je ne sais pas comment il a vécu cela. L'enfant de la promesse. Dieu lui avait promis, cet enfant naît d'une manière miraculeuse. Dieu lui demande de l'amener sur le mont. Comment Dieu, le Père, peut permettre que son fils vienne mourir à Golgotha? Comment est-ce possible? Parce que dans la défaite visible charnellement, il y a eu la plus grande victoire. Parce que jusqu'à que Jésus meure, lorsque les sorciers faisaient des sacrifices, très souvent ils obtenaient la victoire. Le roi de Moab, alors que Dieu avait promis la victoire, va confondre le peuple en sacrifiant son premier-né du haut des murailles de sa forteresse, devant tout le peuple d'Israël. Ils vont être extrêmement choqués et ils vont faire demi-tour alors que Dieu leur avait promis la victoire. Parce que le sacrifice était horrible et le peuple en a été choqué et ils sont retournés chez eux. Mais à Golgotha, le plus grand des sacrifices a fait taire tous les autres sacrifices. La terre a tremblé parce que désormais plus aucun sorcier ne peut obtenir la victoire.
car le plus grand sacrifice a été fait à Golgotha. Les ténèbres ont été vaincues. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. La croix, c'était un trône. Et n'oubliez jamais une chose, c'est que tout ce que fait Dieu, c'est au millimètre. Il devait être déclaré roi par l'autorité légale des Juifs, en l'occurrence Hérode. Celui-ci a été beaucoup plus loin puisqu'il lui a donné son propre manteau. Il devait être déclaré homme, mais innocent, par l'autorité du monde de l'époque. Ponce Pilate dira « Ecce homo, voici l'homme » et il se lavera les mains de l'innocence de cet homme. L'armée romaine s'est moquée de lui en lui mettant une couronne d'épines avec son manteau de pourpre et son sceptre. À leur insu, ils étaient en train de le déclarer roi des rois. Il fallait que le monde entier de l'époque sache qu'effectivement la croix c'était un trône. Et lorsqu'il est mort à la croix, l'autorité légale a marqué cet écriteau dans les trois langues du monde de l'époque. Roi des Juifs. Celui qui t'attaque, si tu offres l'agneau, indépendamment de sa volonté, il fera la volonté de Dieu. Reste dans l'esprit de l'agneau. Sacrifie ta vie. Ne te justifie pas. Car même celui qui te persécute accomplit la volonté de Dieu, qu'il le veuille ou pas. Sous réserve que tu restes avec la vision d'Abraham. Caïn ou Abel? Le roi de Sodome ou Melchizedek? La croix ou le monde? Et la chair ou l'esprit? Paul dira dans les livres aux Galates, les choses de la chair sont opposées aux choses de l'esprit, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Car on connaît les choses de la chair, l'inimitié, l'idolâtrie, la pudicité, le mensonge, l'ivrognerie, les excès de table. Mais les fruits de l'esprit, ça ne se fabrique pas. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi. Tout ça sont issus du caractère de l'agneau. L'esprit, l'agneau, la croix. Et pour finir, la pierre qui a été rejetée est devenue la principale, celle de l'angle. Est-ce que vous savez que Golgotha, c'était une carrière? Et que cette carrière-là était maudite des hommes parce qu'elle ne produisait pas une bonne pierre. Elle était trop tendre. Cette pierre-là, qui a été rejetée parce que c'était une carrière abandonnée, est devenue la principale, celle de l'angle. Parce que Jésus a planté la tête du serpent à Golgotha. La tête a été écrasée à Golgotha, sur une pierre que les hommes méprisaient parce qu'elle n'était même pas utilisable pour construire une maison, car elle était trop tendre. Ça nous parle de la tendresse de l'agneau. Mais elle est devenue la principale. Manifeste la tendresse de Christ et tu verras que Dieu te justifiera. Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. Levons-nous et on va prier ensemble. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions pour la croix. Nous te remercions pour ton sacrifice. Nous te remercions pour ces vertes plaines que tu nous montres en esprit. Nous te remercions pour cette Jérusalem céleste. Nous ne voulons pas l'honneur des hommes. Nous ne voulons même pas chercher à être justifiés. Ça ne nous intéresse pas. Nous voulons
Nous voulons toi, te voir. Oh Seigneur, cette promesse n'est pas liée à une parole d'homme, c'est toi qui nous as promis ces choses. Et nous voulons les saisir par la foi. Nous ne voulons pas un royaume ici-bas. Nous ne voulons pas être des petits roitelets. Nous voulons offrir nos vies. Pas comme tu l'as offerte, parce que personne ne peut faire ce que tu as fait. Mais nous voulons avoir ce caractère de l'agneau. Parce que tu es notre modèle. Toi-même, tu n'as pas cherché à manifester ta divinité. Tout ce que tu l'as fait sur cette terre, c'était en tant qu'homme. Si nous, nous avions eu la puissance que tu avais, nous aurions déjà détruit toute l'humanité. Que nous soyons les êtres les plus doux de la terre. Moïse dira de lui-même dans le livre d'Exode qu'il était l'homme le plus humble de la terre, alors qu'il a été quelqu'un de violent et de colérique. Mais tu l'as transformé. Nous voulons être transformés pour devenir cet agneau. Car c'est le seul moyen pour nous de te voir tel que tu es. Pas tel que nous pouvons te concevoir dans notre théologie, dans notre doctrine, dans notre religion, mais tel que tu es toi. Nous voulons que nos yeux charnels meurent. Que notre cœur mauvais meure. Que notre soif de justice, de vengeance meure. Afin que nous puissions te voir et t'aimer comme tu nous aimes. Et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Je veux te rendre grâce pour ce temps que nous vivons ensemble. Ce sont des temps précieux et je sais qu'ils ont été inscrits depuis toute éternité. Je sais que tu avais prévu ce rendez-vous divin afin que ensemble nous puissions te louer au travers de ta parole. Je te prie pour mes frères et sœurs ici présents. Et je te prie pour que ensemble, même si nos destins se séparent un jour, nous puissions aller jusqu'au bout avec cette vision. Et que jamais, jamais nous soyons attirés par les plaines de Sodome. Et que lorsque le roi de Sodome viendra titiller notre chair, nous puissions continuer à regarder Golgotha et à dire « Seigneur Jésus, tu es ressuscité. » Pour que je puisse vivre un jour dans cette Jérusalem céleste, où il n'y aura ni lune ni soleil, mais juste ta présence éclairera les rues de cette ville. Et je serai dans ton sein. Je ne veux pas regarder à Sodome. Je ne veux pas regarder. Peut-être que c'est même, j'aurais peut-être même la possibilité de me venger facilement, sans que personne le voie. Je refuse ces choses. Je veux regarder à la Jérusalem céleste. Je veux te voir. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu, je réalise que tu parlais des yeux charnels.